Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Elcord. Elcord sur notre run anglaise, toujours avec Alastre et Gaelden. Salut les gars. Salut, Salut, Lucie. Rebonjour, vu qu'on est toujours en live. On est toujours avec le nouveau micro pour moi, donc voilà, c'est bien moi, le signe noir. C'est la révolution sur la chaîne. Avec ça, on va choper, on va doubler le nombre de viewers. Imagine que là, on a quand même fait, sur l'espace d'un mois, on a fait nos deux vidéos qu'on fait plus de 3000 vues en une semaine pour la première fois sur la chaîne. On Waouh. a battu trois records en un mois, là. Ah merde, je vais me prendre... Ah oui, tu prends... Ah bah t'as dû faire des dégâts sur un truc ouais. À pourriture, ouais. Ah bah attends, alors, je me le fais, le petit tout seul, là, voilà, hop, comme ça. J'ai une pluie d'acier, donc je peux faire 8 de dégâts sur tout le monde. Je mets un petit peu de défense, comme ça tu peux, si tu veux, merci. Encaisser. Ouais. Je vais pouvoir vous faire piocher si vous voulez. Eh ben non, j'ai même pas pris de... Alors, toi, je peux faire aussi du dégât de zone là. Alors moi, maintenant, je veux bien de la mana, par contre. Je peux pas tout faire. Mais tu peux pas tout faire, putain. Le mana, j'ai pas non plus, moi. Ouais, si bah, vous avez fait piocher... Du coup, je vais pas faire. Tant pis. Et du coup, j'ai pioché une carte, je peux même pas l'utiliser, c'est un peu con. Et lui, j'ai le dommage. Bump, comme ça, il ne fera pas de dégâts. Gros vilain, j'aurais dû le bump avant. C'est un peu con. Et Capri, c'est fini. Tous ces petits archers qui vont vouloir m'attaquer là, je les vois. Ah, normalement, j'aurais pouvoir faire gagner 2 d'armure là. Par monstre tué. Ok. Ah, ok, on te laisse jouer. Normal. Ouf. Voilà, j'en ai 2. Ouf, ça tombe bien, moi j'ai des flèches assommantes. Ah, ouais, maintenant mes flèches assommantes, du coup, elles font 10 de dégâts. Alors, c'est je peux donner du mana là, si vous voulez. Ça m'intéresse beaucoup moins. Vas-y. Alors, en fait, ouais, j'aurais pu donner encore plus d'armure. D'accord. Avant que tu tues les gens, mais tant pis. J'ai lancé le 2, on a 4 d'armure maintenant par. Ok. Armor. Moi j'ai encore. Oh, oui. Je peux vous faire piocher si vous voulez. Non, d'ailleurs. Pas spécialement besoin. Mais c'est pas, je vous laisse pas le choix d'ailleurs, mais. Voilà. Hop. Tiens, je peux faire un lancer de couteau, c'est bien ça le lancer de couteau. Oui, ça va tuer du monde. Ça va tuer du monde le lancer de couteau. Bim, puis ça donne du mana du coup. Qu'est-ce que je vais marquer? Est-ce qu'il y a un mob particulièrement chiant? Là, il y en a un. Ouais. Comment? Ouais, mais il a. Bon, il a. Ouais, s'il a 17 PV, mais celui-là il se donne. Ah, mais non, c'est vrai, il y a lui à 33 aussi. Ouais, qui inflige 11. Ouais. Et du coup, il va se prendre un déluge de flèches. Bim! Bah non, les flèches qui font double dégâts, c'est vraiment fort. Ouais, non, en fait, c'est effectivement. Ah oui, je pense qu'il n'y a pas photo. Ouais. En fait, c'est même complètement pété. À y réfléchir. Alors, le truc que j'ai là maintenant qui fait qu'à chaque fois que je tue des monstres, ça me génère de la vie, c'est du. Et des cœurs. J'ai encore une pluie d'archer. Hop. Piou. Voilà. Alors là, par contre, je prends cher. Je te donne un peu plus de parade. Hop. C'est bon. Je me suis protégé. Je peux vous faire piocher. Ouais, vas-y, fais. C'est même pas sûr parce que du coup, écoute, 1 et j'ai 1 de mana, donc c'est pas sûr que ça vous ait fait piocher. Si, ça a fait piocher, moi. Parfait. Je claque les engins et à la fin du prochain tour, j'extermine tout ce qui reste, j'annonce. Si vous laissez des trucs en vie, je les tue. T'es comme ça, toi? Ouais, je suis comme ça. Attends, comment il se la pète, quoi? Hop là. On laissera des trucs en vie. L'armure, là, c'est abusé, quoi.
J'ai réussi. Eh non, t'en as laissé en vie. Ouais, j'en ai laissé en vie, ouais. Par contre, j'ai 4 transfusions, quoi. Hop, et moi, je tue tout le monde d'un coup. Hop, tac, pim. Presque. J'ai aucune attaque, quoi. J'ai tellement de transfusions dans ma main que j'ai aucune attaque. Piocher une carte, c'est bon. Le mana recommence. Pas mal, ça aussi. C'est bien, ça. Ouais. Par contre, ouais, il va falloir que je vire des cartes là, parce que. Eh oui, c'est un peu le souci à un moment. Ouh, les cartes d'attaque de chaque héros infligent plus 3 de dégâts. C'est fort ça. Échange flèche acérée contre. Et ouais, ouvert tout le travail. Étourdi les monstres ayant l'intention d'attaquer. Ah, modificateur permanent ajouté, les monstres deviennent plus forts et plus coriaces. Bisous. C'est bien ça quand même. Allez. Soyons fous. Oh. Enfin, ils commencent à être bien pourraves, les malus. Là. On reprend le malus de dégâts, du coup. Ouais, je pense, ouais. Attends, je suis encore à savoir ce que je vais... Oui, t'as de la thune, c'est bon, c'est... Hein. Mes cartes à offrir, vas-y, prends ton temps. Bon. Allez. Dommage, c'était pas le bon. Allez, tac, un petit croche-pied. Tac. Pas de prêtre corrompu, non, never ever. C'est quoi les pénalités? Pendant un... Oh, elle est pas mal. Ajoutez 2 cartes pénalité aléatoire à votre deck de façon permanente. Ah, de façon permanente. Ah oui, de façon permanente. Et en plus, ça vaut que un niveau, donc il faudra qu'on en reprenne un au prochain. Quoi. Donc, non, on a voté pour les dégâts. Ouais, je vois ça. Bon, bah, on va se dire qu'on va pas prendre trop cher. En fait, c'est vrai que c'est un peu un défaut du fait d'avoir 20 PV, c'est que... Tu flippes. Tu flippes, dis-le. Alastre, il aime bien les chenilles. J'ai l'impression que tu combats que contre des chenilles. Ouais, mais parce qu'on m'en propose plein, donc... Alors attendez. Nous attendons. Moi, je peux pas faire grand-chose, je vous dis tout de suite. Je vais vous faire piocher éventuellement. Moi, je vais bien vouloir si tu peux faire piocher. Ouais. Déjà, je te mets un petit peu de comme déjà, ça. C'est gentil. Et je fais piocher un peu. Ah, très bien ça. C'est bon, t'as fini de faire piocher là ou pas? Ouais, j'ai plus rien d'autre là. Putain, j'ai pas généré un seul cœur, fait chier. Ah, là, je fais un peu de dégâts en zone. Terrible. Pas terrible. Ouais. Ça coûte rien. Ouais, je vais le faire quand même, mais c'est pas terrible. Je suis de 21. Carrément triste. C'est carrément triste. Je suis content. Ah, c'est quand même une attaque qui te coûte 2 de mana et qui affecte tout le monde qui est en zone proche. Le problème, c'est que là, ils sont tous en zone éloignée. Bah ouais, c'est rare les attaques de zone proche en plus avec toi. Putain, il y a des tout petits bébés zombies, j'avais pas vu, ils sont mignons. Et ils sont un peu perdus quoi au niveau 14. J'ai une pluie d'acier. Alors je peux donner du mana à quelqu'un, si vous voulez. 1, 2, 3, 4, 5. Moi, j'ai 5 points de mana à dépenser, le cas échéant. Mais j'en ai 3 surtout. Mais... je vais prendre très très cher. Je peux faire 8. Et je peux... Pas une flèche assommante, là? Non, ben non, j'en ai pas eu. J'en aurai 2 au prochain tour, mais... j'ai une pluie d'acier, donc... Y a ton truc qui donne de l'armure, là? Ouais, il y a le truc qui donne d'accord, de l'armure. Je vais en avoir de l'armure. Moi, si tu me donnes un mana,
je pourrais probablement achever celui-là après la pluie d'acier. Enfin, je pourrais achever une des vachettes après la pluie. Mais je crois que tu les tues, non? Non, tu les tues pas. Non, mais moi, je peux l'achever, par contre. Ok. Bon, si vous arrivez à faire un peu de ménage sur ce qui reste, je suis pas contre. Je peux taper là-dessus et je fais celui-là. Non, mais il me reste après juste ce qu'il faut pour l'achever, voilà. Nickel, je termine aussi. C'est bon. Et après, je peux faire 3 de dégâts quelque part. Vu que c'est géré, je vais commencer à entamer le diablotin qui nous pète à la tronche. Là. Oui, oui, il faudrait même le tuer avant qu'il nous pète à la tronche. Fais ce qu'on peut. J'arrive pas à choper des cœurs là, ça fout la merde. Attends, j'aurais pu avoir le truc, les attaques de chaque héros infligent plus 3 de dégâts. C'est con, j'avais pas vu qu'il était là, sinon je l'aurais ciblé lui, je pense. Parce que là c'est chiant, maintenant il est en zone proche. Ouais, mais on va se poser de la défense et puis on le fera, on l'explosera. Enfin, il explose à 9, hein, faut faire gaffe quand même. Et avec pas de bol, c'est tes engins qui vont le péter. Non? Ah non, t'as pas d'engin. Et j'en ai un, mais okay. Il a fait bon. Autre chose. T'es... Voilà. J'ai une pluie d'acier. Je vais vous faire piocher si vous voulez. Moi je m'en fous, j'ai plus de mana. Ouais, mais vous jouez tellement vite. Non, j'ai plus une seule carte, j'ai tout joué. On a plein d'armure, on a plein d'armure. Bim. Est-ce que à tout hasard vous avez entendu Chobiti se moucher? Pas du tout. Non. Parfait. Nous n'avons pas entendu le beau mouchage de la Chobiti. Qu'est-ce que je fais avec les dégâts qui me restent? Après, nous, on est sur ton micro-casque, on n'est pas sur ton micro... Non, là, il est passé. Non, j'ai changé ouais, quand tu t'es absenté tout à l'heure, là. D'accord, mais du coup, j'ai pas fait gaffe. Fait 8... C'est-à-dire que ma voix est toujours mauvaise. Oh. Extrêmement déçu. Non, cette défense, c'est abusé, quoi. Ouais, je disais, sur... Oui, spécialement en défense, hein. Sur un Meron... Où j'avais deux magots, les deux magots PNJ qui ont une carte qui fait que tu doubles ta parade actuelle. J'ai réussi à obtenir le succès qui est obtenir 33K d'armure. Pas mal. Je peux faire. Attends, j'ai mon attaque en zone proche. Voilà. Attendez, je peux vous mettre 3 de dégâts par attaque. Mais c'est même pas le temps de vous booster, quoi. Oui. Bah oui, bah du coup je l'ai mis et t'as pu les finir. J'ai une seule attaque qui one-shotait un mec, donc... Je les aurais finis de toute façon, mais c'était gentil d'y penser. bouton rachat. Là, oh, plus des max. Oh, et plus 3... Bon, hop, et plus 3 gemmes. Et augmenter. Allez, soyons fous. Mais je suis passé à 31 PV max. J'en ai le plus mec, la... quoi. Ce serait bien un petit sage, là. Ouais, les sages, ça devient bien en endless au bout d'un certain temps. Ouais, ils sont un peu à chier mes artefacts, mais bon. Qu'est-ce que t'as? Surtout les derniers. Ne serait-ce que celui qui te donne des vis à chaque tour, rien que celui-là. Oui, non, mais ça, c'est les trucs de départ, mais là... le coffre au trésor et la feuille d'arme, c'est toujours ça, tu me diras. Hein. Bon, c'est bien. Ah, le morceau de charbon est plutôt sympa. Le morceau de charbon, il est bien, ouais. La saucisse, ça bon, peut les prêtres corrompus, t'en veux toujours pas, hein. Tu dis? Les prêtres corrompus, t'en veux? Non. Enfin, dans la mesure où tu peux éviter, c'est mieux. Ensuite, ça dépend ce que t'as d'autre à proposer. Ah ouais, mais c'est des chenilles, d'accord. Après, on me dit, oui, t'affrontes des chenilles, tout ça. Bah oui, mais c'est chenilles ou prêtres corrompus. La faute de Gaelden, voilà. Je peux dire, je préfère les chenilles, clairement. Je n'ai pas peur de le dire. Il y a de la corruption là.
action. Il y a du... Ouais, il y a un peu de compu, mais... Il y a de l'explosif aussi, un peu, un explosif. Attendez. Ouais, parce que là, ils s'excitent direct, les mecs, là. On va se détendre, hein. Bon, j'ai 10 de parade gratos, hein, je me permets. C'est bon, je peux y aller ? Vas-y, j'ai mis mon bonus. Je peux donner du mana à quelqu'un, si vous voulez. Hop, j'en ai un deuxième. Moi, je veux bien. Moi aussi, si je veux bien. Ah bah, tant pis, c'était le premier. On ça va permet de garder mon armure, ça. Que je pouvais pas faire sinon. Je prends le mec à 1, là. Hop, voilà. Nickel. On va activer ça. Catapulte, la baliste. Normalement, quand le premier tour est passé, on risque plus grand chose. On a réussi à se buffer déjà. Il y a déjà deux. Trois engins, quatre engins de sortie. Et il y a, un autre MOBA, un PV, le signe. Ouais, bah si je repioche ma carte. Ouais. Ah, j'ai pris la malédiction, putain. Bon, qu'est-ce que j'ai ? Ah, je peux faire la solidarité pour que vous fassiez 3 de dégâts de plus. Ça m'intéresse pas. Bah, c'est un truc qui fait que vous faites 3 de dégâts de plus de manière constante jusqu'à la fin de la partie, donc... Oui, bah, enjoy. Je pense que c'est quand même intéressant, quoi, ça va. C'est quoi ce moins 102, là ? Excusez-moi, j'ai... T'avais un problème ? J'ai pas bien vu. Il y a un truc qui m'a dérangé, là. Et c'est le bonus de 66% de dégâts, là. 62% de dégâts. Putain, 28... Ouais, ça pique, hein. 28 de dégâts sur un déluge de flèches, maintenant. Ça commence à plus rigoler, là. La vache. Le pauvre, il se met de la défense, mais ça sert à rien, quoi. Tiens, j'en mets un peu plus au cas où. Non, je parlais de la chenille. Il y a des petits bruits un peu dégueulasses, comme s'il y en a certains qui crèvent. Je peux vous faire piocher si vous voulez. De toute façon, j'ai pas grand chose d'autre à faire. Donc... J'ai du dégât de zone. Ça m'a fait piocher 4 cartes, quoi. Abusé. J'ai du dégât de zone sur une zone. Qu'est-ce que... Bon, je vais faire ça. Hop. Bon, bah, le reste. Voilà. Je vais activer ça quand même. Pour que ça reste en main. Voilà. Bon, ça va, sur les mobs standards, on a notre rythme maintenant. Mes flèches assommantes, elles font 16 de dégâts quand même. C'est pas rien. Ah merde, j'ai une pluie d'acier qui me sert plus à rien. Si, je peux en envoyer un. Je peux en envoyer un en zone arrière. Le marquer. Allez. L'acharnement, quoi. Ah merde, non. Putain, t'es le con. T'as plus de mana. C'est ballot. Faut valider à l'est. Pardon. C'est vrai que les 101 PV, c'est quand même assez confortable. Ouais. Enfin, 101 d'armure. Pardon. Ah, alors là, je fais... Putain. J'ai une... Tuc. Et j'ai ça. Bim. Voilà. Ça va. Ça passe. Oh, encore une pluie d'acier. Zut alors. J'aime le canon d'épaule. Putain, j'ai 7 gemmes, quoi. Oh la vache. Je crois que je vais faire mon bourgeois et je vais supprimer 2 cartes. Tant que l'exploration, ça passe. Parce qu'il y a quand même des cartes qui m'intéressent. Plus trop. Que je joue vraiment quasiment jamais. Mince. Vous savez ce que c'est pour le prochain combat ? C'est un boss ou pas ?
Non, je crois non, je pas. sais pas. Non, non, je crois pas. C'est au... je vais supprimer ça. Alors, qu'est-ce qu'on va virer? Transforme un meilleur puits d'acier. Ouais, c'est un boss pour moi. Ouais, oui, c'est un boss. Tu as pris le plus en mana. Oh, ça, c'est bon aussi. Putain, j'ai deux super bons sorts. Putain, les malus, ils sont à chier. Un plus de dégâts tous les monstres. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'ils sont horribles. Bon, je donne. Je vais me prendre un plus 1 de mana du coup. Tiens, un boss. C'est le mec, ouais, bon, je vais prendre plus 1 de mana. Oui, c'est un boss aussi pour moi. Oui, c'est un boss pour tout le monde en fait. Ouais, c'est un boss pour tout le monde. Et là, les malus, ils sont horribles, hein, j'annonce. 3 cartes pénalité permanente. Tous les monstres et boss 80% plus forts. Je pense que les deux cartes aléatoires en main, c'est le pendant moins 4 chiant. tours. Ouais. Ouais. Je sais pas si je choisirais ça, moi. Je pense que je prendrais les 80%. 80% de PV, tu penses qu'on peut gérer 80% de PV? Allez, allez, allons-y. Non, c'est des dégâts, en fait. YOLO. C'est les dégâts, et on a déjà le malus de dégâts. Hein. Là, il risque vraiment de one-shot. Hein. Ah ouais, c'était... Tous les monstres sont plus forts. Plus un point de... Oui, c'est-à-dire il y a plus 62, plus 80. C'est pas faux. Ouais, moi, bon, je... allez. Et... Ok, allez. On a pas mal de cartes gratos. Il coûte 1 de mana, ça va, quoi. C'est pas... C'est pas faux. Ah, mais c'est pas en 4 tours. Et c'est vrai que ça commence à taper, les malus. Petit à petit. Oh, il y a une grosse chenille. Ouf. Il y a 22 debuffs là-haut. Alors déjà, on est obligé de commencer par des cartes vertes ou bleues. Alors, on gagne une force à chaque fois qu'un monstre est tué dans la même section. Les œufs. Chaque fois qu'un héros tue un monstre, une carte aléatoire est défaussée de sa main. Bah, c'est vos trucs de départ qui génèrent des dégâts. Putain de merde. Oh la loose. Je vais mettre 10 d'armure et c'est la carte qui a pris 2 de mana, donc je l'ai dans le cul après. Ah bah moi ça va être sévère aussi hein. Ah ouais putain, j'avoue là, les cartes qui jouent plus de mana. Ah mais par contre la barrière magique c'est commun à tout le monde. Oui oui. C'est déjà ça. Ah, ouais. Je peux donner un petit peu de parade. Moi je peux changer un monstre de zone. Donc si vous voyez un. Qu'est-ce qui me fait mes 53 là? Moi je peux rien faire de plus. Ah non, il y a le boursouflé. Attends, le cadavre boursouflé, je vais le faire changer de zone. Hop. Voilà, viens la coco. Du coup, maintenant, on peut jouer autre chose. Oh, putain. Qui est-ce qui gagne... Ah ouais, c'est le rempo horrifique qui va gagner en force. Le but est celui qui a 17, là. Cette force la vengeance atroce, le mage serpentin, là, lui, il faut impérativement le défoncer. C'est le plus chiant de tous. Ah, je sais pas, hein. Je crois que c'est les Sunrun, là. Je crois qu'ils sont tous très, 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 très énervés. Ils sont tous très chiants, mais... Moi, pour moi, c'est... Bah, il a peu de vie, en plus, donc on peut se le faire. En plus, il a peu de vie. Tu peux pas du tout... Tu peux rien faire d'autre, Alastre ? Ah non, j'ai mis le maximum d'armure, c'est tout ce que je peux faire. Ouais, pareil, j'ai rien de plus, là. Heureusement que j'ai regagné des PV max, moi. Bon, ce sera peut-être bien notre dernier combat, là. Quand même. Oh, le buff massif, là. Tous deux d'armure. Ah, il a 30 d'armure, celui qui est de faut tuer en premier. Tout va bien, tout va bien. Ne paniquez pas, ne paniquez pas. Oh, le moins 17 là. Putain. Bon, j'ai pu activer une petite catapulte. Bon, bah, moi je peux rien faire. Oh la vache, putain. Je peux mettre 3 parades pour 3 de mana. La violence.
On va gagner 2 d'armure par ennemi tué, donc il suffit de tuer 100 ennemis et on est bon. C'est bon. Parfait. Facile. Alors moi j'ai... Ah oui non, parce qu'en plus on peut pas jouer les cartes rouges là, dans l'immédiat. Alors attendez, je peux jouer 2 cartes vertes. J'aurais pu... Alors attendez, je peux faire 2 dégâts de zone. Alors j'inflige 7. 7 en zone intérieure. Mais... Il y a des diablotins qui explosent, il y a des corrompus, il y a que du bonheur. Mais ça va nous faire gagner de l'armure un peu quand même. Mais... Je peux rien faire, moi. Moi, je peux faire 3 de dégâts, donc je peux buter la petite araignée là, par exemple. Quoi. Non, mais je vais le faire... Enfin, oui, je vais le faire. Oh là 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 là. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce qu'il vaut mieux... Attends, je peux faire... Sinon, je fais un lancer de couteau. Ouais, mais il fait que 3 de dégâts, mon lancer de couteau. Mais c'est pas des flèches. C'est pas des flèches. Et puis, comme ils ont tous de l'armure, et ben les 3 de dégâts, ils sont vachement plus limités, du coup. Ouais, non, bah avoine, hein. On verra. Bon, je pense que c'est la fin. Parce que je me prends plus des dégâts de pourriture, du coup. Ouais, laisse tomber. Ah, j'ai plus de... Ah oui, comme j'ai tué des mobs, j'ai plus de cartes. Ah. Ouais, moi j'ai rien pioché pour générer du cœur, donc c'est la mort quoi. Chers amis, ça nous a fait plaisir de vous voir parmi nous. Alors faites gaffe, là si tu fais péter le diablotin, on se prend tous 20 dégâts de base. Moi, je pense que ça passe. Ou pas. Ah là là, je peux rien faire quoi. Non, mais c'est fini. Hein. Ouais, là, c'est... C'est juste fini. C'est le massacre. Bon, bah... L'OD va être un peu plus courte, hein, du coup. Amis viewers... Ah, on a quand même tenu 30 minutes. La mort n'est pas une fin. Ça nous a fait bien plaisir de... Ouais, non, mais c'était sympa, hein, comme run, là. Mais bon, bah, le handless, de toute façon, hein, normalement... Et c'est obligé de crever, hein. Ouais. Au moins, on va débloquer des trucs. Enfin, en tout cas, ceux qui n'ont pas poncé le jeu. Un nouvel avatar. Une nouvelle tenue légendaire pour le bricoleur. Ouais, ça me tâche. On débloque plein de trucs pour le bricoleur, ouais, c'est cool. C'est sûr. Bon, bah du coup, on arrête l'épisode de VOD là ? Eh ben, un nouvel artefact de départ. J'espère du coup que ça vous a plu. Si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat, c'est le moment. Bon, un petit coup d'eau. Merci à tous ceux qui auront suivi ce run. C'était chouette, chouette, chouette. Merci au Signe, merci à Alastre. Et. Alastre slash Mazamara. Mazamalastre. Mais c'est malastre. C'était cool, tout le monde. C'était cool, c'est vraiment un chouette jeu. Allez, bisous à tous, merci à vous.